summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. A madman's story of ancient glory brought death from far away. For eldritch power did Mangar scour the depths of Scarabray. The clues were clear. An army of enemies was moving to attack Mage Alguin. Would our heroes reach his chambers in time? And would they be prepared for the rebirth of the great and ancient evil that awaited them there? Bonjour tout le monde, c'est Rowyn et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Bard Tales où nous allons donc continuer notre magnifique histoire. Histoire que l'autre là, le Tash nous a expliqué qu'il y avait un roi, je sais pas quoi, il fallait le sauver, etc. Bah écoutez, c'est parti. Quête terminée, j'aurais pas besoin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, retourner au tableau de revue. Retourner au tableau des critiques de la guide des aventuriers. C'est où ça? Bonjour. C'est peut-être... Tiens, c'est quoi ça? Bonjour, messieurs. Heureux de vous revoir. Vous revenez auprès de nous car vous êtes en quête de savoir. Examinons vos actes récents pour déterminer si vous en êtes dignes. Vous avez aidé des amis de la guilde dans leur quête de justice pour les opprimer. Ceci est une action digne. D'accord? Ok. L'avis de ce conseiller le suivant: de par vos actes, vous êtes montré digne d'enrichir votre juridiction. Félicitations pour avoir progressé. Vous pouvez progresser. Merci. C'est très sympa. Ça va aider une quête, non? Quête. Retournez au tableau de revue. Retournez au tableau des critiques de la guide des aventuriers. Votre aventurier a bénéficié de l'expérience. Retournez à la table d'examen afin qu'il puisse recevoir sa bénédiction et apprendre de nouvelles compétences. Commission d'examen. Heureux de vous voir à nouveau. Une fois de plus, vous revenez en quête de savoir. Permettez-moi d'examiner vos actes récents. Vous n'avez accompli aucune action héroïque depuis votre dernière visite. Mais à la lumière de vos exploits précédents, nous continuons à vous considérer comme digne. Bon, d'accord, ok. Merci à toi. Faut que j'aille où? Bonjour, Farine. Qui va là? Oh, bonjour. Vous n'aurez pas une histoire à raconter par hasard? Je m'appelle Farine Brigo, impresario pour le divertissement théâtraux et les spectacles de l'esprit. Ma compagnie et moi-même avons déjà joué devant des rois et des reines, par-delà les montagnes et les mers. Salut. M'en fous de ta vie. Oh tiens, c'est quoi ça? Ah c'est les journaux. 25e jour de Gliliane. Ok, c'est sympa, c'est un magnifique bouquin. Les pages sont un peu bizarres, mais ok. Donc alors, non mais ce que je comprends pas, tiens, je vais la faire cette quête là, retourner au tableau de revue, suivre la quête, retourner au tableau des critiques de la guide des aventuriers. Et elle, il est où ce tableau là, hein? Il est où ce putain de tableau là? Les cartes d'identité ne sont pas requises pour les demi-elfes. Hein? C'est quoi ça? Merci Captain. Si vous voulez quelque chose, crachez le morceau, pas de temps de flâner. Que faites-vous? En plus d'écouter des crétins, j'offre les services de mercenaires à ceux qui ont les moyens. Ça vous intéresse? Oui, je voudrais engager une épée de mercenaire. Ah, vous avez de la menu monnaie. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Un autre barde. Ah, peut-être un guerrier, tiens. Ouh là 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 là. C'est vrai que j'ai pas de guerrier pour le moment. Archétype, ouais, culture. Un nain. Non, pas un nain. Une humaine. C'est forcément une gonzesse. Outlander. Ah, je peux carrément faire un... Ah, c'est quoi ça? Ouais. Passe à la grande et puissante, une capacité légendaire et garder rancune. À chaque fois qu'ils s'en frappent au corps, il y a une puissance en force pour le reste du combat. C'est bon ça. Personnalisé. Sélectionner la voix. Au graphe. Homme stoïque. Tu peux mettre femme stoïque si tu veux. Ah mais c'était donc ça la personnalisation des personnages.
Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Homme cynique. Je vais l'appeler Boulgroff. Ouais, j'aime bien Boulgroff. Je sais pas, c'est venu d'un coup. Compétence. Ah, t'as 8 points de compétence. Tiens, ça peut être intéressant. Alors déjà, la défense. Qu'est-ce que je pourrais te mettre? Donc, plus d'en constite, c'est bien. Critical, ça c'est pour les boucliers. Ça c'est bouclier, ok. Je vais te mettre en bouclier pour te faire un petit peu de tank. Je vais le faire vraiment tank, tiens. Light armor. Ouais, bah écoute, c'est quoi ça? Armor, le vice reforce. Chainmail armor. Ok, donc là, 4. On va peut-être mettre ta petit point d'attaque. Donc toi, ta basique attaque. Commandement, si tu veux. Artisanat, tu peux faire quoi? La science, on s'en fout. Alors, en attaque, qu'est-ce que tu pourrais te mettre? Balayage. Inflige 3 dégâts finis avec tous les ennemis ciblés. C'est bien, ça. Coup critique. H. Les capacités de H. Découpage, frappe pesante. On se fait un guerrier, les amis. C'est bien. Frapper à la tête. Tempête de lame. Ouais. 1. Inflige 15 points de dégâts physiques au premier ennemi à portée. Canalisation. Ouais. Fournit la maîtrise en frappe à la tête. Infliger 3 dégâts mentaux. Ah, ça c'est bien. Les dégâts mentaux. Le balayage pourrait être sympa aussi. Force plus 1. Et balayage. Voilà. Et encore un petit point. Infliger 2 dégâts physiques au premier ennemi à portée et retirer 3 d'armure. C'est bien ça, dis donc. Et là, t'as accès à tout ça. Plus 1 en force. Finalisé. Boulgroff. Bienvenue. Bienvenue. Et du coup, tu es à level 6. D'accord. Confirmé. Oui, je confirme. Merci, madame. Par contre, Boulgroff. Mon ami Boulgroff. Premièrement. Alors, attends. Où est-ce que je vais te positionner? En fait, la question que je me pose... Non, la question que je me pose, c'est que je vais plutôt faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça au niveau. T'as que 10 points de vie? Attends, c'est pas normal ça, il va falloir qu'on mange un petit peu là. Du chou. On mangeait un morceau de viande, tiens. Voilà. Donc merci madame pour votre brillante coopération. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Continuez. Qu'avez-vous? Alors, qu'avez-vous à vendre? Je passe littéralement. Les choses. Alors je sais que j'ai des graines. Les graines vaut de l'argent. Donc je vais vendre les graines. Ça vaut pas cher, mais voilà. Bouillon. On peut vendre du bouillon. Ouais. Ça c'est quoi ça? Jetons mercenaires. Ah, je peux me faire d'autres mercenaires. Ouais, pour le moment ça va aller. Aliments pourris. On s'en fout. Impossible de payer des éléments. Non. Ah. Ah d'accord. On va confirmer. Merci. Adieu. Alors c'est quoi ça? Retourner au tableau de critique. J'aurais bien le faire. J'aurais bien le faire ce truc là. Tableau au tableau de critique. Passer une arme. Arôme de vin, goût de bière. Signe secret, compte secret. Bon bah je sais pas. Je sais pas ce que c'est retourner au tableau des critiques de la guide des aventuriers. Donc on va faire ça plus tard. J'ai envie d'avancer un petit peu. Donc on va continuer là. Le meilleur de nous, aller à la tour de Killeran. Et en avant, on y va. C'est parti, mes amis. Donc il va falloir que peut-être que j'équipe un petit peu mieux mon nouveau joyeux luron, là. Comme ça, je pourrais éventuellement... Je sais pas si on peut réinvestir les points. Parce que du coup, je pense que j'ai mal monté mon personnage principal. Va falloir que je regarde tout ça. Bah déjà, on a perdu... voilà, on a perdu 8 bonnes minutes. Avec ce genre de conneries. Donc, pourquoi pas. Certains massas sont impossibles à moins d'avoir le bon équipement. Connaissez votre ennemi et sa faiblesse. Ah bah oui, forcément. Scarabraille du dessous. Avec ses temps de chargement de l'infini, encore une fois. C'est limite pénible. Ok, on attend que les textures se génèrent un peu. Voilà. Ça rame pas trop aussi. Du coup, il faut que j'aille voir là-bas, aller à la tour de Killeran.
Ok, eh ben on y va. Tranquillou gilou. Je peux sauvegarder la partie. Voilà, c'est fait. Il y a de l'herbe. Et je peux ouvrir cette porte. Bah, c'est parfait, dis donc. C'est parfait. C'est parfait. Bon. Alors, continue. Là-bas, c'est quoi, là? C'est un méchant, c'est un gentil. Le monde n'est pas complètement mauvais, mon ami. Oula, c'est quoi ça, là? Comment savez-vous? Ah putain, il parle, Bulgrof? Eh bien, j'y vis depuis plus de 200 ans et j'y vis autant de joie que de chagrin. Sensationnel! Imaginez ne pas avoir le moindre idée pour tout ce temps. Ah, Bulgrof parle, c'est cool ça. Bonjour. Bonjour, jeune personne. Vous admirez les menhirs, hein? Un fort beau spectacle à contempler. Mais à l'époque, il servait à quelque chose. Caïf, regorgeant de cercles de pierre. Et à mon époque, il suffisait de se tenir au milieu de l'un d'eux et de siffler la bonne chanson pour réapparaître dans un autre cercle de votre choix. On appelait ça le sentier céleste. De nos jours, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Les autres gisent au sol, ont succombé à la végétation ou sont devenus les repères de bêtes féroces. Cela dit, si un jeune aventurier partait à leur recherche pour leur redonner leur splendeur d'antan, peut-être pourrait-il fouler le sentier céleste. Qui sait? Emprunter le sentier céleste. Jouer le sifflet des terres. Le sifflet des terres. Air des terres sauvages. Ah. D'accord, donc on l'a activé à ce que je comprends. Ouais. Je pense que c'est comme ça. Y'a rien là. On a activé le sentier. Donc en fait ça va être des points de passage. Donc c'est intéressant. Moi je dis que c'est une bonne chose. Crox, c'est le serviteur d'Alguin. Salut. Mage Alguin est encerclé, mes amis. Vite, par là. Ah, Bulgrof est retourné. Bon, ok, confirmé. Bulgrof est retourné dans le. Crox rejoint le groupe et il est obligatoire. Ok, c'est quoi ça? Ah oui, vous ne savez pas voler? Attendez une minute, attendez une minute. Je connais une chanson, je vais vous la prendre. Une vieille chanson de nain. Moi, c'est Crox en fait, le serviteur d'Alguin. La chanson s'appelle Souvenir des pierres. Oui, ça donne ça. Ouais. Ok, 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 ok. D'abord, on va voir ça, là. Montée de niveau. Oh, bah écoute, pas de problème. Qui c'est qui a monté de niveau? C'est la petite magicienne. Alors, sorcellerie. On peut toujours continuer là-dedans. Alors, c'est quoi, ça? Je peux augmenter. Passif. Signé spirituel. Les attaques effectuées au moyen de sort ont 20% de chance de critique de restaurer un point de... Oh, bah oui, je prends, tiens. Je prends. Retourner au tableau de revue. Ah. Ok, alors il faut que je retourne au tableau de revue, mais ça, on fera ça plus tard. Abilities, la pierre se souvient. Voilà, comme neuf, suivez-moi, mais faites attention, la zone brouille de gobelins, de trolls et d'hommes malfaisants. Les trolls. Ok, ah, j'aime bien. Alors, entrer dans la cave de la tour de Kileran. Oui, bien sûr qu'on y va. Les bottes ne fournissent pas de bonus de statistiques, mais elles fournissent des capacités de mouvement qui débloquent de puissants combos d'attaque. Effectivement, il va falloir que je m'y intéresse à ces bottes. Que je m'y intéresse grandement. Le temps de chargement sont extrêmement longs. C'est dommage. Good. Bonjour, bonjour. C'est une statue d'offrande, utilisée pour apaiser les dieux. Aujourd'hui, n'importe quel sorcier de pacotille les utilise pour fermer des portes secrètes. On pose les bons objets et tada. Évidemment, la difficulté de trouver quels sont les bons objets. En d'autres termes, on a pour la journée. Ah putain. Chier. Lisez note d'Alguin. Mon cher apprenti, je ne peux que supposer que vous êtes revenu du marché pour trouver les portes avant de verrouiller. Oui, je sais, vous détestez ces énigmes et ces trucs, mais vont vous pousser et développer votre esprit. J'espère que vous pouvez vous rendre avant de m'endormir. Bonne chance, Malachwin. PS, parfois le meilleur moyen d'avancer est d'abandonner la bonne chose. Putain de vieux art à la con. Posez vos armes et suivez le sentier de la paix.
Ouais, mais il faut que j'ai le bon objet. Donc forcément, le bon objet, il faut le trouver. Il y a une sauvegarde. Je sauvegarde. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors attends, ça me parle. Ça me parle, ça doit être ça. La cachette secrète. Ah. Ouvrir la cachette. Une graine d'Elebor, que ça se vend? Ouais, 10 pièces d'or. Donc ça c'est bon. On va fouiller un peu mes amis. Parce qu'on est dans un petit donjon. La soupe, 14 en constite. Et des carottes. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ramasser bras d'une statue brisée. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que quoi? Inverser quoi? Attends. Inverser pour passer l'heure. Putain, tu m'as fait peur toi. Passer l'heure. Que vous soyez seigneur ou vassal. Pour voir trois côtés de la tour de Kileran. Trouver la place du château de Harkin. Merci à toi, bouche magique. Tu fais peur, mais t'as la classe. Pousser le bloc, trouver la porte, gagner le cube argenté d'autrefois. Et ça, c'est quoi, ça? Suivez le tracé des lances ou vous errez telle une brebis égarée. Pourquoi? Pourquoi? Bloqué par la magie. Bon, d'accord. Ok, pas de problème. On peut fouiller, là. Bonjour. 4 nonos. C'est bien, ça sert. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert. Pour faire des osselets, c'est bien. Du coup... Magnifique statue de nain, d'elfe, ouais, ça ressemble plus à un elfe qu'à un nain, ce truc-là, là. La hache et l'armure sont nains. Mais par contre, la tête avec les cornes, ça, c'est de l'elfe, hein, ôtez-moi les bouts de la bouche, quoi. Alors, du coup, j'ai une arme, ouais. Effectivement, j'ai récupéré l'arme de la statue, est-ce que ça marche? Article de quête, ici, toc, aha, j'en étais sûr. Bon, pour le moment, c'est pas très con. C'est pas très con, c'est un peu logique quoi. Du coup, tiens, voilà un cortège de face de rat. Des petits asticots avec une grosse tête. Le maître les a enfermés. Putain, quel crétin. Oula. On y va quand vous voulez. Putain, c'est de l'orange. On y va. Premier coup. Bonjour. Alors, j'ai. Ah putain, mais non, il va falloir que je te bouge, toi. Alors, qu'est-ce que t'as de beau? Alors, coup de guerre, inflige 19 physiques à l'ennemi le plus proche, elle portée. Électricité, il crée un arc et touche un ennemi supplémentaire à proximité. Ok, donc, je vais boire un coup. Ah, j'ai 4 points d'action, ça aussi, c'est bien. Rudiment de Kael. Vas-y, joue-moi les tambours. Ouais, sur un, flèche libre. Alors, sur un. Ou sur deux aussi, ça marche. Voilà. Je vais me mettre cuir à rasoir. La mistoune. Ah, ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux taper les deux comme ça. Afflige 5 dégâts mentaux à l'ennemi. Quant à toi, il faut vraiment que j'augmente tes dégâts, toi. Il a 1 en armure, c'est pas la peine. Je vais y mettre un coup comme ça, parce qu'il a 1 en armure. Et il me reste plus de points d'action. Est-ce que je peux faire autre chose? Pas de méditation, toi non plus. Ok, hot turn. Et c'est à l'ennemi de jouer. Bonjour. Toi, je t'aime pas, toi. Wow, shit. Il a fait mal. Du coup, il a fait perdre son tour. Ça, c'est lévitation. Donc, lévitation, ça permet de le déplacer, d'accord. Assaut discret. Ah. Alors attends, pour le moment, je vais le bloquer lui. Attends, non, je pourrais pas le bloquer. Attends. Je ne pourrais pas le bloquer. Oh, t'as pas d'armure. À moins de le buter. Je pourrais pas le buter. Par contre. Je pense qu'il va me faire très très mal. Alors je vais peut-être me déplacer aussi hein. On sait jamais. Je peux le cramer tiens.
Tiens, en feu. Éclair chargé, non. Lévitation. Ah putain, j'aurais pu faire lévitation. Ouais. Je vais léviter là-bas. Allez, tu dégages maintenant. Voilà. Quant à toi, tu peux lui mettre une autre flèche. Plus 3 en puissance de sort. Ouch. Ouch. Putain, croc, c'est fait démonter. Bon, ça continue à... Je peux pas faire grand chose, moi, à part lui mettre un coup là-bas. Peut-être en tuer un, peut-être. Alors, attends. Je réfléchis, mes amis, hein, je m'excuse. Ça demande pas mal de concentration. Je peux leur faire un coup. Allez, tu dégages. Aïe. Si je fais un coup de surin sur lui, que je me cache, tapis dans l'ombre, cul sec, je peux peut-être boire un autre coup. Je vais faire chanson du sanctuaire, tiens, sur lui. Et puis je vais peut-être me déplacer comme ceci. Voilà. Plus 3 en puissance des sorts. Déplacement. Je vais peut-être... Aïe, je vais en perdre un autre. Il commence à me faire chier, lui. Il commence sérieusement à me faire chier. Il reste 10 à lui là-bas. Ah mais non, ça, ouais, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Aïe, aïe, aïe. Ah, attends, est-ce que je peux le tuer, le mec derrière là? Non, c'est pas lui que je voulais tuer, mais c'est pas grave. Yes. Tiens. Est-ce que je peux faire autre chose? À part ça. Et elle, méditation. Allez. On tente, déplacement, qu'est-ce que tu me fais là? Méditation supérieure. Bon, maintenant c'est le moment de mourir. Maintenant tu dégages. 140 points d'XP et une montée de niveau. Par contre, il va falloir peut-être que je me pose la question de savoir d'augmenter la puissance de mes personnages. Alors attends, qu'est-ce qui pourrait être sympa avec lui? Constitution plus 2. Prenez la maîtrise rythme de l'archer. Invoquer un mur devant, utile qui divise 50% des flèches. Et ça c'est quoi? Constitution plus 5. Pas mal ça. Max de points de sort. Ouais non, ça peut être sympa. Je peux augmenter l'intelligence aussi. Alors je sais pas si c'est intéressant l'intelligence avec mon personnage. Parce que attaquer, défense, brassage. Alors c'est quoi ça? Science. 20 elfiques. J'aurais peut-être me mettre ça, tiens. Bah oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... brassage. Y a quelqu'un d'autre qui a un niveau? Non, c'est bon. Par contre, alors du coup, I, artisanat, brassage. Aliments, soupe, ok, alcool. 20 elfiques. Il me faut de l'esprit fermenté. Et comment je fais cette foutue esprit fermenté? Ouais. Aliment pourri, poussière de fée, sucre, esprit fermenté. Ah, je peux en faire d'esprit fermenté. Il me faut de l'eau, patate, sucre. Impossible de créer l'article. Inventaire plein. Ah. Ah, ça m'en fait 3. Ah ouais, d'accord. 20 elfiques. Ah, ça m'en fait 5. Poussière de fée. Donc là, j'ai du 20 elfiques. Qui va me permettre du coup d'augmenter de 3 ma puissance de sort. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ouh, pioche de morph traîne. Plus 1 en intelligence, plus 4 en force.
Alors attends. Est-ce que mon petit nain peut s'équiper de cette magnifique arme? Ah mais carrément. Et puis il va faire mal, hein. Classe d'armure plus 1, intelligence plus 1, force plus 4. Oui, je prends. Je prends. Maintenant on va fouiller un peu. J'ai ouvert ça, je ne sais pas comment, mais j'aurais dû aller un petit peu plus doucement. Ouvrir la caisse. Graines de jonquille et dents de métal. Enfin, débris de métal. Ouais. Ah. Abilities. Ah. Je t'ai trouvé. Ouvrir la cachette. Nécessaire de crochetage de maître et une torche. Avec une barrière d'eau dotée de 28 en constitution, si elle survit au combat, elle est ajoutée à votre inventaire. Hein? C'est quoi ce truc? Elle est où la torche? Là. What are we doing? L'objet ne peut pas être équipé. Ah, qui sait que je peux l'équiper alors? Again? Ok, bah écoute, va te pendre. Ah, c'est Charme de Plume qui fait la lévitation. D'accord. D'ailleurs, justement. Ah oui, autre chose, Rowyn. Tes personnages, ils ont pris un peu cher. Donc, ce serait bien de manger une bonne soupe, par exemple. Oh, s'il vous plaît, là. Soyez moins bruyant la prochaine fois. Ah bah tiens, pioche. Ah, un autre pioche, tiens. Est-ce que ça... Attends, fais voir. Est-ce que... Et c'est exactement la même. Oui. Qui c'est qui peut s'en équiper, là? Personne d'autre? Bon, je vais garder pour mon guerrier. Ouais. Pour mon autre guerrier. Ça peut être intéressant. J'entends des bruits. Pousser. Ok. Hein? Pousser le bloc, trouver la porte, gagner le cube argenté d'autrefois. Toujours aussi énigmatique. Vous pourriez pas être plus clair? Mon cher apprenti, vous avez donc réussi à pénétrer dans la pièce contenant la place d'argent. Impressionnant! Je ne pensais pas que vous aurez la force de pousser le bloc. J'espère que vous avez de la force dans votre corps et votre esprit. Vous allez faire beaucoup plus de pression avec amour, mage Alcuin. Ok. À mon avis, ça c'est une énigme où il faut pousser un bloc, où je m'y connais pas. Tiens, c'est quoi ça? Abilities, ça ressemble à celui-là, là. La pierre se souvient. Ouais, bon, je sais pas. Abilities. Ah non, avance. Ouvrir la cachette. La poussière de fée. Ah bah dis donc, c'est bien pour faire de la boisson. Alors attends, est-ce que je peux pousser le bloc par là? Oui. Il faut que j'emmène où? Je sais pas ce que je fais mais je le fais. Ah bah tiens, je pense que je me suis Attends, si je pousse comme ça. Du coup alors si je vais. Donc je peux l'emmener là-bas. Ok, intéressant, je pense que ça sent bon. Je vais fouiller là déjà. Nécessaire de crochetage. Ouvrir la plaque. Requiert de l'entraînement en Master Lockpit. Ah! Tu peux pas ouvrir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, faut l'emmener où? Faut l'emmener où? Il faut l'emmener là, je pense. D'accord. C'est quoi ça? Ok. Cette salle doit receler quelques secrets. Tac, tac, tac. C'est un cul-de-sac? Ah non, ça va pouvoir pour pousser le bloc, d'accord. Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que du coup, ça, non. Non, il faut que je continue à le pousser là. Il y a pas mal d'énigmes, j'aime bien. Ah, attends, est-ce qu'il faut que je l'emmène à fond? Ouais, il faut que je l'emmène à fond. Ok. Donc ce qui va permettre du coup de pousser ici, voilà. Très bien. C'est pas mal. Je le pousse là. Je le pousse là. Et ça ouvre. Et nous avons récupéré le carré d'argent. Ok. Le carré d'argent.
Le carré d'argent, y a pas de problème. Je sais pas à quoi ça sert. Putain, j'entends un gobelin ou un truc dans le genre là. Je sais pas où c'est. Alors le carré d'argent, suivez les traces d'élan, c'est où errait-elle une brebis égarée. Ça va pas être ça. Poussez le bloc, trouvez la porte, guidez le cube argenté. Ouais, c'est là. Article de quête, carré d'argent. Ça ouvre une porte. Ah, c'était déjà ouvert ça. Ouais, attendez, qu'on fasse pas trop long. Ouais, on est à 29 minutes. Ouais, écoutez, on va essayer de terminer là. Tu restes là, toi. Premier coup. T'es tout seul? C'est une blague. Ah, attends. Combien je fais en dégâts là? 3 dégâts, 5 dégâts, 3 dégâts fois. 3 dégâts fois 3, donc ça fait 9. Ah, bah voilà, il commence à faire mal, mon barde. Tiens, fais-lui un petit coup de sort. Tiens. C'est bien le stick. Yeah. Tiens, un petit coup à 7. Est-ce que je peux le tuer? Il reste combien? Il reste 5. Si je déplace le petit gobelin et que je fasse un éclair chargé, il est mort. 40 points d'XP. Bon, ok. Y a pas de problème. Avec. Prends de tout. Très bien. On va partir par là. Je suis toujours à gauche, moi. Je sais pas pourquoi. Oh, mais que c'est mignon. Plein d'endroits sympas ici. J'ai vu un gobelin. Vous inquiétez pas, je l'ai vu. Hein. On va y avoir le coffre. Poussière de fée. Ce qui va permettre de faire. De la boisson. Bonjour. Oh putain, c'était jaune. Ouh, fuck. C'est quoi ça déjà? Un fâchant. C'est fâcheux. C'était pourri aussi. Alors, vas-y. Mets-toi l'amélioration. Toi. Oh, je peux commencer à affaiblir lui là-bas. Elle. Éclair chargé. Tiens. Ensuite, tir rapide, inflige 5 dégâts mentaux à l'ennemi. Exterminant de concentration. Ouais. Yes. Éclair chargé. Je peux faire ça, assaut discret, ça fait quoi? Inflige 8 points de dégâts physiques au premier ennemi à portée. Oui, ils ne sont pas à portée. Bon, allez, vas-y. Sur lui. Voilà. Méditation. Pas de méditation. On va boire un coup. Attends, je peux boire l'autre? Max the pill ivre. Ah, je peux pas le boire l'autre? Je suis obligé de boire lui? Bon, c'est pas grave. Le rudiment de Kael. Défense de lâche. Fire. Il a 10 en armure, donc c'est pas la peine qu'on le tape lui. Toi. Alors elle, je vais devoir la déplacer pour lui lancer le déferlement arcanique à lui là-bas. Voilà. Non, lui c'est pas la peine. La petite flèche, je peux pas la voir lui là-bas. Non, je le tue pas. Bon. Voilà. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Éclair chargé. Ah mais non, zéro en dégâts, ça a rien fait. Je peux éventuellement en léviter un. Tiens, viens ici toi. Allez mon ami. Viens voir papa. Et fin du tour. Ouch. Aïe. Bon ça va. Mon tour. Toi, tu me le tues lui. Voilà. Toi. Est-ce que je le tue? Ouais. C'est bon. Il y a un petit point d'action, enfin pour la totalité.
Si je me place là, je crame les deux. Ah mais il s'est mis en armure lui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un autre éclair. Now what? Assaut discret, éclair chargé. Oh, si je fais un petit coup de lévitation sur lui. Bah, il peut faire assaut discret. Parce que ça ne bouffe pas de points d'action. Et puis, bah, positionne-toi là. Parce qu'à ce que je comprends, ça le déplace. Ok. Là, c'est bien. Ah, mince, putain, mais vous l'en voulez à lui, hein. Défense de lâche. Ah, il est mort. Ok. Tiens, amène-le ici. Et remets-toi là. Théoriquement, tu le tues. Mais bon, on va quand même voir. Bim! Victoire! Montée de niveau. Impeccable. Qui a gagné un niveau? C'est notre ami l'assassin. L'assassin, lui... Alors, fais voir artisanat, tu fais quoi, toi? À part potion. Master chimiste. Master craftsman. Ah, c'est bien, ça. Subterfuge. Après, tu peux mettre ça en subterfuge. C'est quoi, ça? Nécessite crochetage. Nécessaire crochetage de maître. Bah, voilà. Ah, du coup, je peux aller crocheter l'autre en face. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus là? Il n'y a rien ici. Ah, oh, peut-être là. Bombe de la bile du dragon. Ok, bah, je peux pas. Bloqué. Il est bloqué. Ah. Bombe de la bile du dragon. Bah, il n'y a pas de problème. Ah. Attends, faut peut-être que je me régène aussi. Je suis en train de me dire. Une petite soupe. Allez, on mange la deuxième soupe. On en est où là? Ah. Ok, bon, c'est pas compliqué pour le moment. Oh, jeton mercenaire pour créer un autre personnage. Y a rien de plus là? Ah d'accord, c'est bloqué. En fait, tu fais le tour. Oh là là! Aïe 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 aïe! J'espère qu'il y a des trucs sympas dans ce coffre. Discipline, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc de rogue. C'est un truc de rogue, j'ai l'impression. Fais voir, il est où la discipline? Ça. Ok. Fais voir par rapport à l'autre. Ah oui, effectivement, oui. Force plus 4. Ah non, je le prends. Par contre, j'ai pris cher là, les amis. J'ai pris très très cher. Il va falloir que je mange un petit peu. Ok, alors attends. Réfléchisse. Ah, c'est passé. Aïe 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 aïe. C'est bloqué aussi. Donc, bah, j'ai trouvé 2-3 trucs sympas. C'est bien. Pour avoir de l'équipement. Par où on passe? Là. Alors, l'équipement sympathique. Donc ça c'est bloqué, donc ça revient au même. Par contre, du coup, faut passer par où pour suivez le tracé des lances et vous errez tel une brebis égarée. Ouais. Ah purée. Donc j'ai vu qu'il y avait ça. Toc. Putain, mais c'est quoi ces conneries là? J'ai supposé, hein, je suppose beaucoup, mais. Alors, en même temps, c'est logique leur connerie. Hein. Cet archimage est vraiment merdique. Hein. J'ai récupéré le triangle d'argent. D'accord.
courir là. Du porridge, 9 en constite. Très bien. Et du coup, c'est par là. Voilà. C'est par là, c'est par là. On va pouvoir ouvrir, je pense, la porte. Donc, article de quête, c'est bien cela. Impeccable. Je vais sauvegarder, mes amis, et nous allons garder la suite avec les profondeurs insondables du donjon pour le prochain épisode. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode sur Barthes. Je cherchais le nom. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, c'est Héroïne.